Vous avez sauvé les leaders. Les leaders vous sauveront. Voilà. Vous avez Est-ce que vous confirmez que c'est bien vous qui avez sauvé des leaders, les transporter dans votre véhicule jusqu'à la clinique Ambroise Paré? Vous le confirmez? Je le confirme, maître. Monsieur le Président, avec votre permission, parce que Monsieur le procureur a eu à poser des questions, il a eu à donner lecture de quelques passages d'un rapport de Human Rights. Et selon ces passages, alors il a dit là-bas que Monsieur Toumba se serait rendu coupable de ceci ou de cela, et que ce ne serait pas lui qui aurait sauvé. Je voudrais commencer par donner lecture et poser conséquemment des questions à M. Abubakar Toumba. Je vais donner lecture du procès verbal d'audition des parties civiles de M. Lucien Fall, qui date du 13 novembre 2014. La page 3. Il est écrit ceci. Il a déclaré ceci. Lorsque Toumba a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour les soins. Mais dès notre arrivée, des militaires que j'ai reconnus comme étant de la garde du président Dadis se sont opposés et avec grenades à la main, ils ont menacé de faire sauter la clinique si jamais on nous faisait bénéficier du traitement. Cela étant, Toumba Diakité nous a conduit à l'état-major de la gendarmerie nationale. Je précise qu'au départ, nous avons laissé Selou dans l'enceinte du stade entre les mains des militaires. Monsieur Diakité, oui, maître. N'est-ce pas là la confirmation que dans votre véhicule, il y avait bel et bien M. François Lucien Fall et qu'il fait partie des leaders que vous avez sauvés, oui ou non? Oui, maître. Très bien. Je continue. Je prends le procès verbal d'audition des parties civiles de M. Sidi Touré en date du 7 avril 2011. Dans ce procès verbal, et plus précisément, à la page 3, et ça, il s'agit des pièces acquises au débat, il s'agit des procès verbaux qui ont été dressés, hein, et devant les magistrats instructeurs. Monsieur Sidia a dit ceci. Face aux scènes que je voyais, j'ai réagi en criant sur toute l'esplanade. Il n'y avait que des scènes de ce genre. C'était insupportable. Face à l'agressivité de certains militaires, Toumba nous a regroupés. Jean-Marie, Mouktar Diallo, François Lucien Fall et moi, pour nous embarquer dans son véhicule, pour nous conduire à l'hôpital, suivi d'un autre véhicule dans lequel il y avait d'autres leaders. Mais étant dans le véhicule, Marcel a continué à nous administrer des coups. J'ai failli perdre mon œil à la suite d'un coup de gourdin qu'il m'a arséné. Alors, nous avons été conduits à la clinique Ambroise Paré. À notre arrivée, le même Marcel a brandi une grenade pour dire que personne de nous ne descendrait pour être soigné, faute de quoi il ferait exploser
la clinique. On nous a conduit à l'état-major de la gendarmerie nationale. N'est-ce pas encore là la confirmation que c'est vous qui avez sauvé M. Sidya Touré? Oui. Et que c'est vous qui l'avez conduit à la clinique Ambroise Paré? De là-bas, face aux menaces de M. Marcel, qui entendait faire exploser la clinique, vous les avez conduits au niveau de l'état-major général de la gendarmerie. C'est vrai. Je continue. Vous avez M. Mokhtar Diallo qui a également parlé. Vous avez le procès verbal d'audition des parties civiles, Monsieur le Président, Messieurs Assesseurs, en date du 7 février 2013, où, plus précisément, à la page 2, Monsieur le Président, Monsieur Mokhtar a eu à dire ceci. À la demande de Toumba Diakité, nous nous sommes embarqués dans sa voiture qui était garée en dehors du stade. Mais je précise que de passage, nous avons été témoins de plusieurs scènes de viol à ciel ouvert. Une fois dans la voiture de Toumba, Fall, Sidya et moi avons été transportés à la clinique Ambroise Paris. Suite à l'opposition des Enesekki, nous avons été conduits à l'état-major de la gendarmerie nationale où nous avons été rejoints par Jean-Marie Doré et Tchibourou. Est-ce que il ne s'agit pas là encore d'une autre preuve que c'est bien lui, vous disons, qui avez sauvé M. Mamadou Mokhtar Diallo? C'est ça. Hein? Dans les mêmes conditions que les autres. C'est vrai. Très bien. Et est-ce que c'est lui qui est venu dans ces conditions, qui est parvenu à soustraire ses leaders politiques aux actes de violence? Est-ce que c'est lui qui a fait cela? Pouvait, dans les mêmes circonstances, de temps et de lieu, s'occuper des questions d'assassinat, des questions de viol? Hein? Non. Est-ce que c'était possible, ça? Ce n'est pas possible. Lorsqu'on vous dit, Monsieur Toumba Diakité, je voudrais aussi relever que parmi des questions qui ont été posées par le ministère public, on vous a demandé si vous reconnaissez que parce que certaines victimes aurait déclaré que elles vous auraient vu sur les lieux, que vous portiez des fétiches. Est-ce que M. Toumba Diakité, que vous êtes quelqu'un qui porte des fétiches? Non, hein? Ce n'est pas vrai. Voilà. Est-ce que dans les rangs du membre du CNDD, M. Toumba a un temps plus que peu, est-ce qu'il a porté des fétiches? Non, et tous ils le savent. Moi, je ne porte pas de fétiches. Voilà. Monsieur Toumba Diakité, il se trouve que on a eu à vous poser des questions ici par rapport à votre déplacement au stade. Oui. Très bien. Et est-ce que c'était la toute première fois que vous preniez la décision de vous déplacer pour aller chercher le président Dadis? Est-ce que c'était la première fois? Non, c'était la énième fois. C'était la énième fois. Vous le faites pourquoi? Est-ce par souci d'être toujours présent dans l'accomplissement de votre mission d'aide de camp? Ou bien c'est pour autre intention? Non, je le fais toujours par souci d'être comme ma fonction d'aide de camp. Très bien. Ces jours-là, oui. Ça faisait la énième fois, comme vous l'avez dit. Oui. Ces jours, lorsque vous êtes sorti, vous êtes informé, vous avez appris que le président est parti. C'est ça.
Maître. Et lorsque vous avez appris cela, est-ce que votre premier réflexe, ce n'était pas de le rejoindre rapidement avant que quelque chose ne lui arrive? C'est ça. Et lorsque vous êtes sorti précipitamment, vous vous êtes fait accompagner par qui? Foromo. Très bien. Monsieur Foromo. Voilà. Et quand vous êtes arrivé au stade, oui, je vais éviter de poser des questions par rapport à des éléments qui ont fait déjà l'objet d'autres questions. Mm-hmm. Des points. Okay. Lorsque vous êtes arrivé au stade, vous avez trouvé qu'il y avait une panique généralisée. C'est exact. N'est-ce pas? C'est ça, maître. Avez-vous trouvé aussi qu'il y avait, oui ou non, des coups de feu qui étaient tirés? Il y avait des coups. Avant mon arrivée, mm-hmm, non, je n'ai pas entendu m'en demander. Si mm-hmm ça tirait, peut-être par rapport à ma position, mm-hmm, et le, c'est-à-dire l'engouement qui était le lieu, peut ne pas permettre aussi d'entendre un coup de feu. Mm-hmm. C'est très important. Oui. Voilà. Mais ceux qui sont venus me trouver là-bas, mm-hmm, et ils ont tiré, j'ai entendu. Très bien. Les Marcel. Les Marcel, quand ils sont venus, oui, ils se sont mis à tirer. Oui. Alors, votre premier réflexe en tant que médecin, oui, hein, a été quoi? Qu'est-ce qui fut votre voilà, vie? La manière les gens se sauvaient de l'intérieur vers l'extérieur, oui, donc je me suis dit que ça n'allait pas à l'intérieur parce que c'est qu'il y avait quelque chose dedans. Même au moment où les Marcel n'étaient pas rentrés, les gens fuyaient à l'intérieur, ils se sauvaient avant qu'eux-mêmes ne rentrent. N'est-ce pas, c'est cela qui vous a déterminé, voilà, voilà, à aller vers les leaders? Et c'est ça, je suis venu en courant, je n'ai même pas allé ni à gauche ni à droite. C'est vers les leaders. Alors, vous les avez sauvés, ils l'ont dit. Et on vous demande que, puisque vous n'avez pas trouvé le président Dadis, que vous devriez reboucher chemin et ne pas chercher à sauver les leaders. Ah, c'est que... Attendez, il y a une question qui vient. D'accord. Est-ce que vous savez que parmi les infractions qui vous sont reprochées, oui, il y a la non-assistance à personne en danger. Vous le savez? Voilà. Est-ce que vous savez ça, le président, le jour, permettez-moi? Oui, il a voilà, lu, voilà, il vous a parlé de ça. Il m'a parlé de ça. Très bien. Oui. Ça, ça fait partie des infractions qui vous sont reprochées. Mmh. Il y a également, au nombre de ces infractions, l'entrave à aux mesures d'assistance. Est-ce que si ce jour-là vous n'aviez pas suivi, sauvé ces leaders, est-ce que aujourd'hui, alors ces infractions ne seraient pas établies à votre égard? Tout à fait. Je sais que le ministère public va éliminer ça d'abord. Très bien. On va donc pas à pas. Ça veut dire que ce jour-là, vous avez sauvé des personnes qui étaient en danger, oui ou non? Oui, c'est ça. Ça veut dire que ce jour-là, vous n'avez apporté aucune entrave aux mesures d'assistance. Tout à fait. Très bien.